je t'expliquais d'abord que la condition première, c'est l'inconscience. Parce que d'abord, enfin, moi, en tant qu'être humain, je n'ai pas ni le courage, ni la volonté, ni la capacité à assumer, ni physiquement, ni moralement, ce que je dois faire pour arriver à faire des photographies. Avant de venir à Rome, je suis passé par Vérone, par Milan, par Gênes. Je suis allé de ville en ville comme ça en Italie. Et ce n'est pas un problème spécifique à Rome ni aux villes italiennes. C'est plus un problème de fonctionnement personnel. J'ai besoin pour faire des images, d'être dans des lieux où je peux m'enfoncer, me laisser couler dans la réalité. Il y a des choses qui se passent au Cambodge qui sont très 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 loin de toute morale. Disons que c'est dans ces extrêmes-là que j'ai envie de poursuivre mon travail, de voir s'il y a des limites qui existent encore pour moi ou si je suis prêt jusqu'au bout. Donc la première condition incontournable, c'est l'inconscience. Cette inconscience, elle s'atteint par des moyens divers, la drogue, l'alcool, la stupidité, enfin, tout ce qui permet d'aller plus loin sans se mélanger les pattes dans des problèmes moraux. Ça, c'est une condition première. Ensuite, et d'abord, même avant, il y a le désir. Le désir qui existe, qui est là, que chacun on transporte avec nous, c'est ce qui nous permet de... Sans le désir, je ne pourrais aller nulle part. Enfin, il y a plein de sentiments. Il y a la peur, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un sentiment complexe qui me permet d'approcher les gens. Mais avant tout, il y a le désir de la chair, le désir de l'humanité de l'autre. Le désir, ça passe par les yeux, ça passe par le corps. C'est le désir de l'autre, c'est le désir de sortir de cette humanité claustrophobe qui m'enferme, qui m'empêche de... Enfin, qui m'oppresse. Et c'est, à travers l'autre, une porte de sortie. Mon enfer à moi, c'est moi. Et ma seule issue, mon seul espoir, c'est l'autre. How are you?
What's up? Now I can talk to Yang. Who? Tini, Tini. Hello? How are you? Huh? What are you doing now? May I help you? Huh? No. I'm busy now, sorry. Je ne suis pas seulement metteur en scène des images, je suis acteur. Je suis d'abord acteur de mes propres images, je suis là, enfin, je raconte mes relations avec les autres, je suis scénariste, metteur en scène. Se perdre dans une ville, c'est, pour moi, c'est les conditions sine qua non de pouvoir travailler. Le problème, c'est que se perdre, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. C'est un travail qui demande. Ça a l'air contradictoire, mais se perdre, c'est un travail qui demande préparation, concentration, du temps. Pour me perdre, j'ai besoin de. Que les choses se construisent et s'accumulent. Et ce temps, il est inévitable. J'ai jamais été un voyageur. Enfin, moi, depuis la première fois, il y a en 1983, ça a été l'incapacité d'affronter le contexte dans lequel j'avais évolué jusque-là, qui m'a obligé à, pour assumer la douleur, pour faire face à tout ce à quoi je ne pouvais pas faire face, d'aller ailleurs. Donc c'est une fuite qui ne mène nulle part, c'est une fuite qui est relativement désespéré, mais c'est une fuite. Et le jour où je perdrai ce sentiment de. Enfin, cette nécessité de m'échapper, je crois que le voyage se terminera.
So nobody wants to smoke? You? How? You want to smoke? No, I don't go to it. I take care of my family. Then after, they kiss my ass. They kick me out. Family, they don't kiss, but they just say that. You taxi girl in family, no taxi girl. So taxi girl like you, like, don't do something bad to family, or don't stay around. And then sometimes he tried to hurt me too. Then, smoke. You're not fucked up, huh? Too much, but not enough. Yeah, good money man. Oh, good man, I think about money. But when I stopped with my family about 5 years, I don't think about money. I don't ask money from the man too much. Something I don't need, I don't ask. Yeah. I don't care. I care myself. Do too much, and after we have nothing. I have nothing.
Oh yeah. It's been my own since what I shared. Fatigué. Tu creux. C'est fatigué. On va faire des photos. T'as quoi, là? Celui-là, le gauche est aveugle et le droit est très long. C'est gênant pour ton travail? C'est une obscurité à me lever, pas vraiment. What happened to your Australian customer? He not my customer. If I want customer, no need to let you here. No need customer to come here to see you. It's my job. Don't want my, I don't want to make customer angry about me. About man. If you, you hurt, because you hurt yourself. Customer. If I go with customer, you don't need no be angry at me. You don't pay me. You don't say take care of me. You don't ask me to stop. Don't you tell me take care of myself, be careful myself. But you have to take care of yourself, be careful yourself. And not to tell me to do it. I'm crazy, are you crazy now? If I get you smoke, you burn yourself, fuck up like this. Me too. If you cheat, why are you coming for what? What do you want from me? Tell me. I don't know, but what I want from you, I know. What do you want from me? Mm-hmm. I have no money. When I make photo you, I make money with you. Not now, one day. Did I tell you? Huh? Tell me what? Did I say you make money for me? Not for you, with you. What do you want from me? To make money, I want to make money with you. I don't care, I don't know, but I know what I want from you. I want your money. You pay for shit. I can pay for you. Because I want you, not because you want me. Yeah, your shit here. Take it. Go to kill yourself. No, I have nothing. I'm not happy. How many days you come in Phnom Penh? How many days already? Too many. So you give me 100, how many times you smoke already? I just give you that. Is it enough?
thấy mình lại bông nhau. Cháo nó bị cho tên nó bị lẹ quật pi nó ở đang quật pi nó không ăn nó ăn này nè đông cháo à cho không ăn nữa nè không nó không J'ai besoin de découvrir toujours des méthodes qui me permettent d'aller plus loin, de découvrir des sentiments inconnus, de découvrir des manières plus profondes, plus tordues, plus perverses peut-être, de connaître l'autre. Et ça, ça passe à travers le sexe au départ, mais ça, on arrive à la violence, à la douleur, à la peine, à l'indifférence.
Et c'est un cercle vicieux parce que c'est un cheminement dans lequel, qui au lieu de nous apporter une solution et de nous dire voilà, je suis sauvé, j'ai trouvé une manière physique et intellectuelle de survivre, c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé et en fait on se rend compte qu'on n'en sort pas. Mais dans ce cercle vicieux, je trouve mon bonheur. C'est le paradis sans l'étape du purgatoire, c'est le salut.
Qu'est-ce que tu étais venu chercher ici? Je suis pas venu voir ce que tu faisais ici, tu vois, de toute façon. D'une certaine façon, je trouve qu'on le sait toujours. Mais avant, voir où t'en étais probablement, même de ce sujet que tu photographies depuis, je sais pas, ça fait combien maintenant? 20 ans? Ça va faire 20 ans. Fatigué de s'enfermer là. Je me suis enfermé volontairement dans cet espace. De plus en plus petit. Tu t'as évacué le... Même tout est déjà. Contexte. Donc, ce coin de pièce, c'est là que je passe une 24/24 depuis les semaines. Donc, c'était ça ou faire semblant d'eux, ou enfin, jouer un rôle. Aussi, d'un souhaité. T'as déraillé très vite, tu vois, 16 ans, 17 ans, punk, hyper en rogne contre la société marchande et que le refuge était auprès de ceux qui avaient carrément, qui avaient leur corps pour seule marchandise. Je ne voudrais pas les milieux les plus humiliés, je photographie le milieu auquel j'appartiens par adoption. Dès l'adolescence, Tu disais pas un moyen de liberté, qu'est-ce que tu disais? Tu disais que tu jouais de la prostitution comme... Je pense. Bien sûr, c'est pas une vie idéale, mais dans les vies les plus normales, les plus bien séantes, bien pensantes. Les compromis, c'est autrement plus grave. Antoine, c'est bon? J'avais du crack, cette image macabre, misérable. Et en fait, je me rends compte que les personnes les plus démunies, se réfugient dans la consommation d'une drogue qui ne leur fait pas oublier la réalité, mais qui leur fait les faire rentrer. Hein. Non, de façon plus intense et plus pleine de la réalité. Pouvoir supporter. D'entendre ça. Parce qu'elle a toujours été ton moteur, enfin, humainement, en tout cas. D'entendre ses vies, d'entendre être à l'écoute de. Non seulement un œil qui photographie, mais une oreille, enfin, beaucoup. Pour ne pas plus pouvoir supporter, d'étouffer. Je crois qu'il n'y a que dans le. L'intimité sexuelle qu'on découvre une certaine partie de tout être humain et que
C'est ça qui m'intéresse pour l'instant, cette proximité. Bien sûr que je passe beaucoup de temps à côté. Mais en fin de compte, tout ce qui m'intéresse, c'est permet de combler la peur, combler des petits bouts de vide, quoi. Your hand always busy. C'est simplement que je suis moins patient de montrer les images, de les voir moi-même aussi. Enfin, je sais, l'urgence n'est plus la même. Donc fatigué, oui, mais en même temps, je n'ai pas abandonné. Pas épuisé photographe. Oui, mais c'est pas une photographie, c'est simplement de rendre compte de comment je le montre, de comment je le vis. Et c'est devenu un besoin plus intime qu'artistique ou professionnel. À cette mesure, j'estime que fatigué ou pas, ouais, je suis sur le bon droit. Même si ça veut dire moins d'images, moins de... C'est la vie qui reprend le dessus. Après, qui prend le dessus, peut-être. Non, je crois que c'est un outil dangereux, enfin, c'est un outil qui s'emballe tout seul. Jamais autant regardé depuis que je n'ai pas d'image. Cette pièce, en tout cas, c'est le seul endroit tangible pour moi, c'est le seul endroit possible. Le seul mensonge dans ce qu'on filme, là, en ce moment, c'est les mots, en fait. C'est-à-dire que je fais un effort pour faire des phrases qui se tiennent plus ou moins. Mais ça vient d'une volonté une volonté qui est étrangère à l'état permanent, l'état physique que je suis, et l'état mental, ou l'absence d'état mental.
fois, deux fois, père, deux fois. Une fois fait. Non, non. Rarement, quand vraiment j'aime une photo, je regrette de savoir ce qui. La réalité qui se cache derrière. De pas être. Mais bon, c'est rare. Et plastiquement, je veux dire. Ça sert. De faire face à une photo produite qui t'a échappé. Justement, ça fait des semaines que je pense quoi. Tu penses plus comme ça ? Je pense plus à tout ça. C'est vrai que tu penses plus en tant que photographe. Bah, si, je les filme, je les garde. Mais je m'en fais pas, je m'inquiète pas sur le rendu des images. Mmh. J'ai pas vu. T'as le fait d'avoir retrouvé un petit peu le sentiment d'être. Là, je suis allé au bout du bout, quoi. Mais comme je t'ai entendu dire, bah, je vais pas dire souvent, mais je t'ai entendu dire plusieurs fois sur des périodes d'assez espacées. C'est quoi le bout du bout, quoi. Le bout du bout, c'est ici.